Saviez-vous que l'activiste Semih Kepa a été invité à prendre la parole dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009? Ça sera donc l'objet de cette vidéo. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, on aura tout entendu, on aura tout vu, mais ça va jusqu'au délire donc de certains avocats, des parties civiles ou encore de la défense. Et aujourd'hui, c'est un avocat de la défense qui délire. Écoutez, il fait appel à Kemi Seba pour prendre la parole dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Suivez et nous reviendrons après pour en faire l'analyse. Pourquoi ce procès est organisé? Pourquoi les moyens sont mis à la disposition du parquet? Pourquoi hier, le parquet qui s'est battu pour obtenir la requalification sur le plan du droit national, pourquoi le même parquet se dédie? Qu'est-ce qui motive ce revirement à 100%? Qu'est-ce qui motive son mariage avec la partie civile CPI? Parce que moi j'appelle partie civile CPI. Qu'est-ce qui motive leur alliance? Alors que c'est grâce à son combat que ce procès a été organisé, Monsieur le Président. Lorsque j'ai vu la requalification, l'acquisition du parquet, Monsieur le Président, mais j'étais heureux. Je pensais qu'il demandait la requalification pour que les crimes que je vous entraîne de juger aujourd'hui soient requalifiés en contravention, surtout en ce qui concerne mon client. Vous êtes juge pénal. Et votre rôle, vous n'êtes pas obligé de suivre les parties dans le développement technique. Vous avez un pouvoir. Et dans le procès pénal, Monsieur le Président, nous avons vu des vidéos qui sont les références logiques du juge répressif. Qu'est-ce que vous avez vu ensemble? Qu'est-ce que nous avons vu ensemble? Voici les sources de vos convictions, Monsieur le Président. Les témoins ont défilé à cette barre. Je n'ai pas besoin de vous rappeler. L'ordre des preuves entre les audios, les éléments visuels et le témoignage. Entre ces modes de preuve où le juge a la chance. Ce sont les éléments visuels, Monsieur le Président. Vous êtes suffisamment outillés depuis hier, de part et d'autre. Sauf que nous sommes tous unanimes que nous devons être étonnés du changement de casquette du parquet. Mais vous qui avez le dernier mot, vous regarderez ce que le parquet aujourd'hui a refusé de regarder, la petite près du gouvernement, vous, vous devez regarder cela, Monsieur le Président. Ça fait un an et quelques mois, nous suivons un débat. Les clients sont en détention. Vous accepterez, Monsieur le Président, une petite boutade. Quand on m'a posé deux questions, j'étais dans un café-bar. Mais, maître, pourquoi on demande encore que ces infractions soient qualifiées en crime contre l'humanité? Je n'ai pas répondu. J'ai observé le silence. Il dit, mais, maître, pourquoi vous voulez encore envoyer nos frères à ces pays? Je n'ai pas répondu. Il dit, mais,
Mais répondez-moi. Qui demande ça sur vous là-bas? Ceux-là, je veux les voir. Est-ce qu'ils sont africains? Les questions qui ont été posées, je n'ai répondu à aucune question, monsieur le président. C'est des profanes qui se posent la question. C'est pourquoi je voudrais inviter le panafricaniste béninois, Kémi Sébakou, qui soit dans cette salle, pour prendre la parole contre le parquet, pour qu'il soit là. La gravité des infractions, je ne voudrais pas intervenir, mais il faut le faire. Quand une infraction est grave, est-ce que cela taille la peine? Vous venez d'écouter cette demande de l'avocat, cet avocat de la défense, qui veut que Kémi Séba prenne la parole dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Pour ceux qui ne connaissent pas Kémi Séba, Kémi Séba est un activiste franco-béninois qui venait même de brûler son passeport français il y a quelques jours, qui se bat en fait pour l'Afrique, pour le rayonnement de l'Afrique, pour la fin de l'impérialisme, pour la fin du néocolonialisme. Et nous, nous demandons pourquoi donc cet avocat a fait appel à Kémi Séba. Suivez Kémi Séba pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Qui a accepté quelque part leur chantage, je vous dis sincèrement, retirez-moi le passeport et on aille beaucoup plus vite sur cette question. Vraiment. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération de l'élévation. Nous sommes une génération de l'autodétermination. Le premier ou l'un des premiers qui a parlé de la France-Afrique, c'était François-Xavier Verchave, un blanc. Est-ce qu'on l'a menacé de l'exclure et de l'enlever la nationalité parce qu'il dénonçait la France-Afrique? Certes, il touchait moins de gens que nous, c'est vrai. Mais on ne l'a pas menacé. Mélenchon, lorsqu'il crie à l'Assemblée nationale en dénonçant la France-Afrique, est-ce qu'on l'a menacé, lui qui est né au Maroc, je crois, de le déchoir de la nationalité? Oui ou non? Non, mais quand c'est simple. Mais quand ce sont des nègres, là on commence à vous rappeler, mais vous savez, hein, on vous a donné papier, on peut vous reprendre. Et après? Et après? Et après? Quels sont les intérêts du gouvernement? Dire que nous dénonçons les bases militaires françaises installées sur le continent africain, c'est nuire aux intérêts français? Dire que nous dénonçons le franc CFA et le néocolonialisme qui touche les nôtres et les accords de coopération entre l'oligarchie française et nos dirigeants africains corrompus, parce que c'est trop facile de condamner le gouvernement français si on ne condamne pas nos élites africaines corrompues qui asphyxient nos populations, de Paul Biya à Faure Sibé, à Patrice Talon, à Mathias Sage de l'impérialisme, à sur le continent africain, mais quand on lui dit de partir, il commence à gonfler les muscles. Il commence à pleurer, il commence à dire qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français, mon ami. Il y a un sentiment anti-France-Afrique, un sentiment anti-colonialiste, un sentiment hostile à l'ingérence du gouvernement français dans nos États. Emmanuel Macron dit qu'il est contre les coups d'État. Quand Alassane Ouattara a fait un coup d'État constitutionnel, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Gabon, le général, le colonel, non, général Oligui a fait un coup d'État, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Tchad, Mahamat Kakadébi a fait coup d'État après la mort de son père, que certains disent être un assassinat, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Pourquoi il y a un coup d'État qui est validé et il y en a un autre qui ne l'est pas? C'est-à-dire que le gouvernement français agit non pas en fonction de principes politiques, idéologiques, mais en fonction de ses propres intérêts pécuniaires. Et c'est important que l'on puisse le rappeler. Je veux que chacun d'entre vous y réfléchisse ici. Quel message on envoie sur le continent? Des gens qui n'ont pas la nationalité. Des gens qui sont... Après donc avoir écouté cet avocat, après avoir écouté Sémi Keba, après avoir écouté ou regardé le procès, vous-même, vous pouvez savoir si Kémi Séba a sa place dans ce procès ou pas. En guise de quoi, Kémi Séba sera-t-il dans ce procès?
Pourquoi cet avocat a-t-il invité Kemi Seba? Est-il sérieux ou est-il en train de délirer? C'est à vous de nous donner vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.